Laissez-moi vous transporter vers le lieu de vos futurs exploits. Vous arriverez sur le débarcadère d'une des plus belles baies de la Caraïbe. Partons pour un premier survol du parcours avec une vue imprenable. Des scooters, des vélos et voitures électriques. Je doute que ce moyen de locomotion nous sera proposé lors de notre périple. Cristalline, des tortues marines, cette partie nous réserve des moments enchanteresques. Repartons, et partons à l'assaut de courtes montées baignées par un soleil de plomb.
Une plage, avec une mer dominée par les courants. Le sommet de ce périple, le chameau, cela nous promet un moment difficile, mais inoubliable. Bientôt l'arrivée, interrogeons l'organisateur pour avoir quelques indices sur ce challenge. Pierre Delins, bonjour. Tu es l'organisateur. C'est une épreuve challenge où il s'agit d'aller le plus vite possible.
Et puis le deuxième aspect qui n'est pas négligé et qui à mon avis est très intéressant, c'est le fait d'être en binôme, donc il y a une forme de solidarité entre les deux équipiers. L'expérience à monter du chameau et en même temps qu'on des bases de natation. Et enfin des gens qui sont non licenciés FFTRI, ni FFA, et qui défi, par challenge, viennent s'inscrire à cette compétition. Il y a la moitié des coureurs qui sont non licenciés FFTRI. Samedi. Qui vont venir samedi, donc 21 mètres, que la saison reprend. Un pouce pour souhaiter bon courage à tous les participants. Vous ne voyez toujours pas ce qui vous attendra lors de cette aventure. Alors, laissez-moi vous éclairer.